plus que ça, plus que ça, Québec! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis Robert Nelson, le président de la République libre du Bas-Canada, et il me fait un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici ce soir à l'occasion du tout premier Man to Man à Québec! Eh bien, pour ceux qui se demandent c'est de qu'est-ce que c'est ça le Punch Club, c'est de qu'est-ce que c'est ça je suis venu voir à soir, eh bien, sachez que le Punch Club, c'est un club de street impro. Et la street impro, ben c'est comme l'impro. Sauf que c'est du 3 versus 3 ou du 1 versus 1 comme à soir. Des règles, il n'y en a pas, puis de l'argent, ben il n'y en a sur la table. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe, les choses sont sérieuses à soir sur le stage du Punch Club. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. J'ai besoin que vous fassiez un maximum de bruit, une chaude main d'applaudissement pour l'aspirant champion du Punch Club. Mesdames et messieurs, j'ai nommé Pierre-Luc Fogg! Pierre-Luc Fogg! Right. Et pour faire face à lui, mesdames et messieurs, nul autre que le grand champion du Punch Club, Man to Man. Il en est à son troisième Man to Man. Que des victoires, zéro défaite. Mesdames et messieurs, le grand champion du Punch Club, Man to Man, Arnaud Soli! Tout est moustillé, je suis texte bien raide autant que vous autres, ma gang de mince. Alors on teste ça tout de suite! Punch Club! Punch Club! Sure, let's go! Les gars, ça dure une minute, y'a pas de caucus, ça s'appelle les mangeurs de jambon. M'a pogné! M'a pogné! Hey, où ma grosse truie? Hey, où ma grosse truie? M'a pogné! Oh! Oh, que ça sent le bacon! Oh, que ça sent le bacon! Alain! Alain! Mmh. Oh, Alain! Quoi, Alain! Oui, quoi? On arrête! On arrête! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un peu de sauce. Oh non! Je suis plein de boîtes! Je suis plein de boîtes! Alain, arrête! Ça m'écœure la merde! Ouais, je suis plein de boîtes! Ça m'écœure la merde! Oh, roule-toi pas là-dedans! Alain, oh, ça m'écœure! Oh. Alain! Mmh. Alain, il y a des clients là! Il y a des clients dans le Subway! Oui! Non! On le fait griller au four? Avec ou pas de bacon? Pas de bacon. Pas de bacon. La prochaine impro, c'est une comparée de 4 minutes qui s'appelle « Perdre ses souvenirs ». Perdre ses souvenirs, comparer 4 minutes caucus. Laissez-moi passer! Je suis Aguirne le Brun, fils de Porol le Gris, cousin de Barnabile, duche des prairies de Flume. Non? C'est à l'est du château des huit vents. Non. C'est... Dans le fond, vous voyez, c'est où? Cartamome! Ah, mais... Ah oui, c'est un... Vous voyez, la Bruxelles est séparée en quatre. Virvange, Suplox, Friniche et Zaborle. Moi, à côté de Zaborle,
Il y a une archipel! L'archipel des noix de coco de feu! Mon père y travaillait comme un chemisier de Pulox! Prince des châteaux merci! Non? Connaissez-vous Gino? Le gars du Pawn Shop! Fuck. J'ai déjà acheté un cheval à Porponol! Dis le fromagier fou! Dis le gars avec une jambe en or! Calliste de veste. Non? Ah! À chaque party de Noël, on va à la vieille barbiche! Un petit bar près de Foulouse! Si? Eh bien, l'ancienne boss girl, Camamille, a déjà couché avec mon cousin, Porpox le Gris! Hein? Connaissez-vous Tactica, le band de rap? Eh bien, mon oncle ressemble beaucoup au chanteur. Mon oncle, Xerox, dit l'imprimante. Voyons. Il avait un magasin de cuir à l'est de Volage. Voyons, calé. Bon, ben, je vais y aller. Ah, avant de partir. Quand même, le roi Pruneau est malade. Vous connaissez le roi Pruneau? Voilà, il est malade. Il cherche un héritier. Moi, personnellement, j'avais pensé à Catamulche, le vorace. Vous le connaissez? Normal, je l'ai inventé. Je vous teste. Bon, on ne part jamais sans faire la danse des huit vents. Voulez-vous m'acheter un crayon? Voulez-vous m'acheter un crayon? Voulez-vous m'acheter un crayon? Non? OK. Ma petite radio qui joue tout le temps des tonnes tristes. Voulez-vous m'acheter... C'est un stylo Bic. Bleu! Bleu! J'ai pas toujours été comme ça. J'ai déjà été un héros, moi aussi. J'ai déjà été un héros, moi aussi. J'ai déjà été un héros, moi aussi. Blue 22! 44-22! 22-64! Avec le rouge! 22-6! Crash! Crash pas! Hot! Coach! Coach! Tic-tac-toe. Brendan! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis blessé, coach! Je suis blessé, coach! Je pourrais pas finir la demi-finale! On va finir ce match-là quand même. Avec ou sans toi. Mais coach! Coach! Oui, c'est moi. Thomas! Voulez-vous de l'eau? Thank you.
22! Hot! C'est incroyable à jouer, là. Tic-tac-toe, mon gars. Tic-tac-toe. Prochaine impro, c'est une impro mixte de 3 minutes qui s'appelle Tu me fais vomir. Tu me fais vomir. Mix, 3 minutes, caucus. You and then Mr. Greatness. My Martin was amazing. Rock Margellas with no laces. Chris now go by the cases. Wait, hold up, that was racist. Danse de tes petites jumelles. Ma calice! Je leur ai mangé le cul! Dommage! L'autre jour, ton père faisait du porte-à-porte. Il est rentré chez nous. On n'a pas dit un mot, mais je vais te montrer en image ce qu'on a fait. Ah, JP! JP! Puis après ça, JP a fait... C'était ta grand-mère!
you. C'est ça, je le ferai. Ouais, moi non plus. Ah, je suis allé à l'animalerie, puis je suis venu sur une coque à ciel. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas fini. Ah, OK. Je l'ai dit. Vous jouez ça ensemble, ça dure une minute. Ça s'appelle le plaisir jamaïcain. Hé, hé! OK. OK, 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 OK. Un cheval! Oh, ouais! Attends, c'est moi! C'est moi! Je vais faire Sébastien Benoît, man. Yo, yo! J'animais la fureur! Yo! Yo! La saison 1 de l'amour est dans le pré! What? Oh, j'ai chié, j'ai chié. OK, moi, j'en parle. Incapable de faire Marie-Ève Janvier. Le concept de la jalousie, OK? Tu couches avec mon frère? Non! La prochaine impro, c'est une comparée de 3 minutes qui s'appelle « La publicité versus mes valeurs ». La publicité versus mes valeurs. Comparé 3 minutes. Merci encore d'être ici, Valley Field, pour le lancement de cet album qui est vraiment important pour moi. C'est déjà la dernière chanson. Juste dire, vous savez, ça a été une année difficile pour moi. Vous avez sûrement entendu parler, là, j'ai perdu beaucoup d'argent quand mes 70 drones ont crashé dans le fleuve pendant le tournage de mon clip. Et ça a été très dur. On a passé à ça de pas pouvoir faire l'album, en fait. C'est pas compliqué si c'était pas d'un commanditaire. J'aurais pas eu le financement. Puis cette chanson-là, vous allez voir, c'est subtil. Mais... on leur envoie un petit clin d'œil d'amour, puis c'est un commanditaire sans qui l'album n'aurait pas eu lieu. Puis je sais que je suis un chanteur engagé, puis il y en a qui vont faire « Ah, c'est pas ton genre », mais regarde, puis... Mais en tout cas... Il semble qu'il était plus vite, cette tune-là. Non, c'était plus triste. C'était vraiment plus triste. C'était vraiment une... C'est vraiment plus une tonne d'amour, ça. All right, tout le monde. Cette chanson-là s'appelle « Je t'aime », simplement. Oh, oh, oh. Viens te baigner dans un bol en pain. Mets ton costume de bain, on va se promener. Grand comme des Timbits. Quand je te vois, ma belle, je t'aime. Le cœur chaud comme un café frais infusé aux 15 minutes. Je t'aime et je t'aime aussi. Je t'aime et je t'aime beaucoup. Même quand c'est plus froid entre toi et moi comme un café glacé, seulement $1 l'été. Je t'amène te promener sur mon ranch où on fait de la sauce pour nos wraps délicieux au poulet. Je t'aime et je t'aime aussi. Plus de 1000 succursales au Québec. Je t'aime et je t'aime aussi. Yeah.
La prochaine impro, c'est une comparée de 4 minutes qui s'appelle Seigneur Diamant. Seigneur Diamant. Comparée 4 minutes. Les oiseaux dorment. Oui, c'est ça. Maître, je suis prêt. Seuls les dragons qui courent peuvent sentir la marmotte qui danse sous le patio en ayant toujours les mains et les griffes du mal. Et le dragon, qu'on n'en sait jamais où il est, comme une partie de cache-cache qui ne finit jamais. C'est les dragons qui tournent encore la fin et tu... Et puis boum 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 boum, il y a un petit tambour. Et puis ça lui peut dire si tu es prêt. Mais le temps presse. Je sens qu'ils arrivent. Oui. J'ai failli rater ma chaise. Quand le jardin sera fini, cela, tu pourras enfin... Je sais, Sensei, mais... Sensei! Chic! Comment avez-vous osé tuer mon maître? Seul le dragon qui court, je le dirai pas au complet, mais je crois que je suis prêt. Vous ne toucherez pas au cœur de diamant. Maître, j'y crois aussi. Vous n'êtes pas mort? Attendez un peu. Pas que c'est pas un. Je vais seulement aller voir le cœur du dragon. Il reste une dernière impro au deuxième round. C'est une mixte, un duel de 5 minutes qui s'appelle Restez positif malgré tout. Restez positif malgré tout. Ça dure 5 minutes. Caucus. Salut, pas.
je vais aller dans ma chambre. Benjamin? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, Benjamin, t'es tout en soir. T'es arrivé 6 heures en retard. Tu peux me parler? Je suis là. Ouais, si, je passais tout droit sur la rue, puis maintenant, j'avais tellement de confiance en moi que j'en vais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je m'inquiète. L'école a appelé 2 fois. Ouais. Là, t'as chié dans ton cartable? Fais pas ça! Ouais. Fais pas ça! Méchant, ben, hey, je chie pas Benjamin. Dans ton cartable. Moi aussi, j'ai chié dans des cartables. Mais voyons donc. J'ai vomi dans des duotangs, j'ai pissé dans des cahiers Canada, on l'a tout fait. Non, mais on l'a pas tout fait. On l'a tout fait. Ça m'étonnerait beaucoup. Tout le monde fait ça. Ça m'étonnerait. Tout le monde fait ça. Non, mais moi, j'ai pas chié dans un cartable pour le fun. Tout le monde fait ça. C'est le fun. Non, moi, j'ai trouvé ça un peu... Fais pas ça. Non. Tu sais que les gens vont rire de toi et ça va rester. On va t'appeler Monsieur Caca Cartable. Caca Cartable. Tu vois, même moi, je trouve ça drôle. Caca Cartable. Caca Cartable. Ouais, oui. Mon Dieu, j'ai pris un coup de confiance en moi. Regarde, demain, là, s'il y en a un qui te parle, qui te touche... J'ai chié dessus. Non! Caca-carle. Mon Dieu, que t'es un cimard. Je suis un cimard. Qu'est-ce que ça fait, les cimards? Ça rugit. Ah! 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 Ouais. S'il y a de quoi, tu peux payer papa. Oui. Avec moi, ben je vais t'appeler. Ça m'a coûté une fortune, ça, ouais. KJJ. J'aimerais ça l'utiliser des fois. Puis moi, c'est un Tamagotchi. Bon. Je t'aime. Hey, pas. Je t'aime, mon loup. Moi aussi, je t'aime. Je suis fier de toi. Même si t'as fait quelqu'un dans ton cartable, moi, je te texterai jamais que t'as chié dans ton cartable. Même si t'as tué maman en naissant. Viens, c'est un accident. Tu l'as défoncé, ta pauvre mère. Ouais. Il reste juste nous, hein? Je sais. Il reste juste nous! Je sais, t'as mis une grande photo dans ma chambre pour que je m'en rappelle à tous les matins. Et je pleure la nuit. Il reste juste nous. Ouais. Merci, papa. Merci, maman. Est-ce qu'on peut intimider? À l'école. Yo! Oh! Fuck you! Ouais, j'ai chié dans mon cartable. Puis je suis fier. Appelez-moi caca dans le cartable. Puis je regrette rien. Sauf peut-être le bout où j'ai dit appelez-moi caca cartable. Yo, les gars, yo, passez-moi un petit puff de joint. Qu'est-ce que tu viens de dire, Jay? J'ai dit que... Yo, c'est du gros cochon, man! Qu'est-ce que t'as dit, le nerd? Qu'est-ce que t'as dit? Je vais juste dire que lui, clairement, il va pas à notre école, est-ce-t-il? Yo, t'es qui le vieux, man? T'es calice? Yo, check comment il est vieux, man! T'es calice? Yo, t'es calice, man! Yo, check comment il est vieux, man! Yo, man! Yo, c'est quoi? T'as redoublé 1000 fois, Jim! Yo, t'es calice, Jim! T'es un pédon! Tu l'as fini, check comment il est vieux, man! Check ça, yo, c'est quoi? T'es un pédon, man! Yo, man! Yo, je te dis, là, je garde ton couche, yo! Y'a plein de photos de toi, man! Anyway, c'est pas de ça qu'on parlait. Ouais. Je suis venu te dire que je me laisserai pas marcher dessus. Oh, calice. T'as-tu essayé de rugir comme une petite fifi? Je suis pas une fifi. Qu'est-ce que tu viens de faire, tu? Je viens de te flatter fort. En plein sur le médaillon de ma mère, man. Oh! Oh! T'as pas vu ça aller, hein, mon gars? Oh! What? What the fuck, G? T'es un malade! Yo, man! Qu'est-ce que tu crées, man? Des calices! Crée, t'es si! C'est vieux! Les... Crée! Il nous regarde, nous arracher Nini, hein? Yo, en se touchant, man! Yo, qu'est-ce que tu fais? Yo, j'ai jamais vu un gars. Yo, clairement, lui aussi, c'est son. Qu'est-ce que tu fais? Yo, là, c'est chill. J'ai jamais vu un gars. J'ai jamais vu un gars. Yo, t'as jamais vu un gars, il y en a plein, man. Attends, yo, ta gueule, man. Ok, je vais te cracher dessus. Yo, on va t'accueillir. J'ai jamais vu.
Yo, attends, excuse. Yo, on va vraiment ta queue. Yo, ouais, toi on va ta queue. Yo, c'est pas ma queue. Yo, toi on va ta queue. Non, c'est pas ma queue, c'est un yop. C'est un yop. Yo, j'ai... Ah oui, on va encore. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour nos deux joueurs. Mesdames et messieurs, le premier round de ce man-to-man s'est conclu par la marque de 9 à 6 pour Pierre-Luc Funk. Le deuxième round de ce man-to-man s'est conclu par la marque de 9 à 8 pour Pierre-Luc Funk qui le remporte 18 à 14. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour le nouveau champion du man-to-man. Love you, man. Un maximum de bruit pour Arnaud Soli aussi, s'il vous plaît. Ce mouvement qui tempe ben ben mais auquel le groove t'oblige. Ce que t'entends là c'est pas un test de son. Je rappe vraiment sur le beat. Et si t'as raté le début de la chanson, je suis désolé mais y'aura pas de reprise. Check, j'm'appelle Black Man sans rouge. Et j'aimerais dire what's up.